Bonsoir, je suis Raphaël Zir, je suis le CEO de NetBooster. Comme l'a précisé Bernard-Louis, je suis entrepreneur. J'ai créé une première société dans le marketing digital que j'ai revendue à Publicis. Et aujourd'hui, le fruit de cette vente, je l'ai réinvesti en quasi-totalité dans NetBooster, qui aujourd'hui présente une opportunité très importante sur ce domaine-là, qui est en pleine révolution, et je vais vous l'expliquer. NetBooster, ça fait quoi? En fait, plein de choses, mais en un mot, très simplement, notre job, c'est de développer le business de nos clients dans l'environnement digital. Tout client qui souhaite se développer sur Internet et dans le digital a besoin de nos services pour le faire de façon structurée et efficace. Nous accompagnons des clients comme Accor, comme Net-à-Porter, comme Gap, des clients très prestigieux et internationaux, pour lesquels réellement, pour chaque euro investi, on va créer de la valeur et la mesurer en temps réel. Pour faire ça et le faire bien, il faut qu'on soit présent dans les pays où nos clients sont. Et c'est pour ça qu'on a un réseau très granulaire. On est environ 500 personnes très fortement implantées en Europe, plus des relais au Brésil et en Asie, afin de pouvoir répondre à la demande de nos clients. Donc, je vous le disais, NetBooster, c'est une agence de marketing digital. Le marketing digital, c'est quoi? C'est utiliser tous les outils de l'Internet et du digital pour développer les ventes ou la notoriété de nos clients. Ça passe par évidemment ce qui est le plus connu, la publicité sur Google, mais ça va beaucoup plus loin par également la publicité sous forme de bannières. Évidemment, le social à travers Facebook est en pleine explosion. Mais ce qui est intéressant de voir et ce qui est intéressant de comprendre aujourd'hui, c'est que Bernard-Louis parlait d'une vague du digital. Moi, je parlerai d'un tsunami parce qu'on est vraiment à l'an zéro pour nous. On le voit au trend et on le voit à l'utilisation. Regardez vous-même l'utilisation que vous en faites aujourd'hui par rapport à hier. Le mobile, enfin tout devient digital, la télé devient digitale. Et ça, pour nous, c'est une croissance très forte qui est devant nous et qui arrive très vite. Juste pour vous situer un petit peu au niveau de la taille de NetBooster et de ses métiers, NetBooster donc est passé en 5 ans de 45 collaborateurs à près de 450 et d'un chiffre d'affaires de 9 millions à 83 millions pour l'année dernière. Et on attend beaucoup plus pour 2012. Notre métier est relativement diversifié puisqu'on a besoin de pouvoir répondre à chaque demande de nos clients. Donc, on va faire des liens sponsorisés, donc du Google, de l'envoi d'emails pour fidéliser les clients, du média, de la création. Bref, en fait, l'ensemble des besoins de nos clients en digital. De l'acquisition, donc la génération de trafic, la conversion en client et ensuite la fidélisation grâce à l'email. C'est fondamental parce qu'on ne fait pas qu'un service. On développe le business de nos clients avec l'ensemble de la chaîne. Donc, ce métier-là est en pleine révolution puisque, je vous le disais, tout devient digital. La télé devient digitale. L'outdoor, donc l'affichage de dehors, devient digital. Hein. Moi, je suis basé à Londres et ils sont en train de remplacer tous les panneaux papier par de l'électronique. Tout devient digital. La presse à travers les tablettes devient digital. Et ce qui est intéressant, c'est que tout est en fait concentré à travers des plateformes sur lesquelles nous, on peut acheter de l'espace et du média à un endroit unique. C'est-à-dire que je vais pouvoir acheter une pub télévisée et en même temps une pub sur l'iPad, sur la presse et dehors exposer des gens. Et tout ça, maintenant, je vais pouvoir le mesurer. Je ne vais pas vous dire prenez un panneau de pub pour faire augmenter votre notoriété parce que ça va faire du bien à votre produit. Je vais vous dire on va le faire, on va le tester sur telle ville, on va le mesurer, on va voir l'efficacité. Donc, je vais vous montrer un petit film de 2 minutes qui va vous projeter dans un futur très proche. En fait, en réalité, tout ce que vous allez voir existe déjà. Mais vous allez voir que l'analogue, donc le signal analogique n'existe plus, le papier n'existe plus. Tout devient digital. Et nous, NetBooster, allons opérer toute la communication et l'acquisition dans cet environnement-là. Vont nous permettre d'adresser le bon message à la bonne personne au bon moment. Et ça va changer l'efficacité de tous ces dispositifs. Google prédit que, en fait, notre industrie, en se digitalisant, va augmenter de 10 fois dans les 3 à 5 prochaines années. Donc, c'est notre marché, mécaniquement, qui va s'ouvrir, qui va grandir de 10 fois grâce à la télé arrivant chez moi. Et moi, si je me compare à mes concurrents comme Publicis et les autres agences médias, qui ont des
des staffs très importants qui gèrent ce qu'on appelle le offline, donc la télé d'aujourd'hui. Moi, je suis nativement digital et eux vont devoir transférer ça, ce qui va être très difficile. Or, moi, la télé arrive à moi dans la façon dont je l'ai toujours achetée depuis que NetBooster est créé. Donc voilà, donc l'enjeu pour nous est de suivre cette dynamique extraordinaire. Tous les jours, notre métier change et tous les jours, notre business croît et c'est relativement extraordinaire. Et c'est pour ça que j'ai réinvesti très lourdement dans NetBooster. Merci.